Vous êtes vraiment des fous. Et donc c'est eux qui choisissent où ils mettent les bénévoles. J'aime bien cette ambiance-là. C'est un plaisir d'être ici. Bon courage. Bonjour. À la sortie. À gauche, suivez les flashs oranges au sol. J'ai décidé d'être bénévole tout d'abord pour découvrir c'est quoi le bénévolat, de donner mon temps. Pour aider les coureurs, encourager et être là pour eux. C'est la première fois que je suis bénévole pour le Grand Raid. Mon rôle ici, c'est de faire en sorte que toutes les assiettes sont sur les tables, voir s'il manque de rien. Bonjour. Ce matin, j'étais à l'extérieur, donc j'accompagnais les coureurs vers le ravitaillement plat chaud ou à la sortie de l'autre côté. Je suis là depuis 6 heures jusqu'à ce soir 21h. Allez-y, monsieur. Eh bien, au niveau de l'organisation, on essaie de tenir le coup, surtout pour les raideurs, ils ont besoin de leur sac. Et donc, on fait notre maximum, on n'a pas trop dormi, on fait un roulement. Donc, il y a une très bonne équipe. Déjà, au départ, on a commencé à dispatcher les sacs dans les différents camions. Il faut savoir qu'un raideur peut avoir 3 sacs maximum, c'est-à-dire un sac pour Sillaos, un sac pour Debra et un sac pour la Redoute. Ensuite, on le dispatche dans les 3 camions différents. Moi, j'ai suivi le camion qui part de Saint-Pierre au départ pour venir ici à Sillaos. Donc, les raideurs récupèrent le sac à Sillaos. Ensuite, ils peuvent soit donner à leur famille, soit nous le redonner et ils récupèrent dimanche à la Redoute. J'ai décidé d'être bénévole par rapport à une amie qui le faisait depuis quelques années. Elle m'a dit, viens, tu vas voir, c'est une super ambiance, on va aider les raideurs. C'est des fous, mais vraiment des fous. C'est une amie qui m'a proposé, j'ai dit ben, pourquoi pas. Et après, une fois qu'on est dedans, c'est parti, on s'en lasse pas. Sur les sacs, c'est un peu comme une grande famille parce qu'on se connaît tous. Ici, c'est cousins, cousines, amis. Donc, du coup, l'ambiance est là et on s'amuse. Une fois, on le fait une fois et on prend goût.